Le plus grand obstacle que j'ai dû faire face pendant mes 28 ans d'escrime, en fait, c'est que venir d'un petit sport où le financement est très pauvre. Donc, c'était de faire mon sport à un haut niveau, en plus devoir travailler en même temps et d'avoir un pied à l'école parce que c'était important pour moi. On ne sait jamais quand la fin de notre carrière arrive, donc je voulais avancer aussi du côté au niveau scolaire. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi de dire qu'après 28 ans d'escrime, j'ai non seulement j'ai deux qualifications à deux Jeux olympiques différentes, mais en plus, j'ai fini ma carrière sans dette.